en larmes, citoyen. Tout va bien. Toi qui filmes ou quoi? Ah, mais je filme avec mon portable. Je te mettrai sur Facebook. Hein? C'est comme ça? Papillon. C'est bon, ça tourne. Bon, bah alors, nous sommes exactement minuit et quelques minutes passées sur la place Gary la nuit. Et nous sommes maintenant le 14 juillet, Sassi qui approche. D'accord, ma foi. Monsieur, vous allez bien? Vous voulez prendre les manettes? Là? Les manettes? Non. Regardez, il y a une star, une rock star. Vous la connaissez celle-là? Hein? Bien. Eh ben ça va, hein? Je sais pas si. L'heure. L'heure, parce que nous sommes le 14 juillet depuis quelques minutes. Donc le concert du 14 juillet commence. Voilà. Ça se passe bien là-bas? J'ai compris. Et comment tu fais pour mettre ton sac à dos, tu le, quand tu avances, tu le. Que ce soit les patrons de brasserie qui soient obligés d'adapter leurs locaux, mais plutôt à la ville, à la collectivité, aux collectivités, de faire des toilettes publiques accessibles. Même dans les commerces. Non, sur les places publiques. Ah, sur les places. Ouais. Et dans les commerces, et dans les, enfin surtout dans, sur les places publiques, parce que là, si je bouge, je vais être obligé d'aller vivre contre un arbre. Et oui. Donc des toilettes publiques accessibles aux personnes handicapées. Ouais. Des toilettes publiques, hein, puisque de toute façon, les toilettes publiques, c'est presque toujours accessible aux handicapés, mais... D'accord. Alice, c'est un gros problème. Pas simplement pour les personnes handicapées. Hein. Oui, mais c'est un problème partout. Je prends un exemple, la ville de Toulouse, il marque sur les Sanisettes, il y en a 55 pour le centre-ville de Toulouse. C'est pas assez. Ouais. Je suis allé à Toulouse, ils m'ont pour deux par rue, des Sanisettes. Ah ouais, mais ça, c'est un problème, je crois. Dis-moi, Pierre, pour demain. Je te le rends, je l'ai pris en vidéo. Voilà, c'est Marseille. J'allais te proposer qu'on essaye de. Un truc spécialisé sur Marseille, ça. Non ? RTM. Ouais. Pardon. Comme ça. On a le modèle. En même temps, le combat qu'on mène. Que tu. Sur Marseille, qu'on peut faire le même. Ouais. Que c'est les mêmes causes. Ouais. En fait, je l'ai pris en vidéo. Ça tourne là, ton bazar. C'est bon. Bon. Alors. Non. Le dos. Il est là. Comment ça organise? Oh là. S'il est minuit, il fallait le faire à minuit. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement. Oh là.
sol citoyen. Sa dernière formée. La rébellion. La révolutionnaire. Donc. Bon, c'était Christ et l'Éternel, porté avec l'Éternel debout. Avec une batterie de carrefour, évidemment, pour un riverain, comme vous savez. J'ai un fil de merde, j'ai pas de pognon, j'ai une autre majeure de merde. Voilà, ça marche pas bien. Bon, mais c'est pas du Jean-Michel Jarre. Hein. Franchement, c'est pas le même matos que Jean-Michel Jarre. C'est même pas les mots, moi. Pas du Jean-Michel Jarre. Ouais, je confirme, je confirme. Il te manque plus que le jeu de lumière. Père Christian, le saint apôtre de la Croix-Rouge. De... Il y a les deux crises d'ailleurs réunies. Là. Deux crises de la place. Je veux dire ça. Il y a deux papes et deux crises. En armes, citoyens. Former la rébellion. Le gari où il y avait Chloé qui était à Marseille à côté de quelqu'un en terre roulant aussi. Tu te souviens pas? Pas chier toi. Parce que y a quelqu'un qui faisait tourner les lits debout. Au début je pensais. Bon, on se refait là ou quoi? On se refait? Je coupe et on se refait?